Bien quoi le gang, c'est Nation, épisode 12 sur The Last of Us partie 2. Là, on commence directement dans la merde, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit peu le temps que les gens arrivent sur Twitch, sur le live. Je vais laisser en pause parce que comme on commence directement dans le bordel, je m'étais arrêté en plein combat hier. Du coup, je m'arrête, je mets pause, comme ça j'attends un petit peu que les gens arrivent, etc. Comme ça, ils loupent pas trop. Puis après, je lance. Salut Twitch, salut live, ça se passe. Nem, Jaja, Re, Lou, tranquille. Équipe de filles, hein, directement en premier sur le live. On va attendre quoi Ouais. Donc je suis vraiment directement dans la merde. Hein. Je me suis perdu dans la vue modo. Ouais, t'as un menu exprès pour ça, je crois. Après, j'ai pas bien regardé, mais bon. Et salut YouTube, bien sûr, désolé hein, pour le petit temps d'attente. Au pire, de toute façon, je vais mettre directement à quelle minute passer directement pour commencer la vidéo. Et comme d'habitude, merci YouTube pour les redifs. C'est cool. Si tu meurs maintenant, on dira rien aux autres si tu veux. Yo yo, tranquille. Blanquette, Rania, ça se passe. Ouais, j'attends Greg, tranquille. Merci de rejoindre. J'attends un tout petit peu. Allez, à 5 que je lance. Alors, je sais, je vais peut-être mourir parce que je sais pas où est-ce que j'ai atterri. Je sais pas si c'est le moment où je dois combattre ou c'est le moment où je dois courir avec les petits. Je crois que je dois courir, mais je suis pas sûr. Donc, je vais peut-être crever. Parce que j'ai pas couru, ils sont partis. Tu vois. On va voir. Salut Lucas, tranquille. Merci de rejoindre. Allez, il est 5. 3, 2, 1. Putain, j'ai faim. Voilà. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit, je les ai laissés partir. Ok, go. La côte est par ici. Pourquoi je cours pas vite? Cours plus vite. J'y aille tout seul là-bas là. C'était le dernier. Ah. Vous allez bien? Ouais. Il faut partir avant que d'autres n'arrivent. Toutes les directions se ressemblent. T'es sûr que c'est par là? C'est forcément par là. Quoi?
Attends. Je suivais normal le truc, là, c'est quoi ça? Oh, je suis mort. Ah, salut tout le monde sur le live, j'ai pas vu. Putain, c'est quoi ça? En plus, j'ai spam et tout, normal, tu vois. C'était les derniers. Vous allez bien? Ouais. Il faut partir avant que d'autres n'arrivent. Toutes les directions se ressemblent. Sûr que c'est par là? C'est forcément par là. Qu'est-ce que je fais? Eh bah quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ok. Ils sont morts depuis peu. Il y a un autre chemin? Si c'était le cas, on passerait pas par ici. C'est bizarre quand même. Oh, de la vie. C'est bizarre, quand je suis mort tout à l'heure, c'était pas le même chemin. Occupe-toi. Juste toi. Laisse faire, Musclor. Je crois que je me suis fait avoir à la deuxième mort. C'était pas le même chemin. On dirait que j'étais obligé de mourir. Ça. Je suis là. Oh, oh merde, il y a le gros tank. Oh merde. Comment je vais faire, j'ai pas d'armes. Toi, tu sais que c'est pas beau de piquer le sac d'une dame. Oh la vache. J'ai mal. T'as esquive, ta race, t'es sérieux? T'as, elle esquive pas, ça me gave. Elle est trop lente. Oh, gros, c'est trop dur, j'y arrive pas. Espèce de baleine, quoi. Bordel, je savais que ça allait être dur dès le commencement là, parce que je m'étais arrêté dans la merde hier, mais à ce point là, gros, c'est... Ah bah c'est maintenant que j'ai mes armes. Super. Bon bah on va... Bah non. Bah non, j'ai ma hache, bah oui, ils m'ont rendu toutes mes armes maintenant. Bah ouais, j'ai plus besoin du marteau. Ok. Prenez tout ce qui peut servir. Ok les frérots. Touche pas à ça. Ça va aussi un monde.
Sérieux? Oh! Vous avez pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? Pistolet de chasse. Arrête. Oh, ça c'est un pistolet, mon pote, c'est celui dans GTA. C'est le pistolet dans GTA, c'est celui qui one shot. C'est la première fois que je vois des scars s'affronter. Des séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais je suis pauvre. Je me suis rasé la tête. Ok, me dis rien. Franchement, ça m'égare. Salut tout le monde sur le chat, au fait. Hein. Avec ce début explosif, j'ai pas pu voir tout le monde. J'ai vu Yoloz, salut à toi Kenpachi. Ah ouais grave, je suis tout le temps pauvre. Avec Abby, j'ai du mal à récolter des trucs. Je suis tout le temps pauvre avec elle. Avec Ellie, ça passait, tu vois. Mais avec Abby, j'arrive pas à améliorer mes armes. Oh, un catalogue de guerre. De combat, là. C'est quoi? Munitions faites maison. Fabriquez vos propres... Oh, on peut fabriquer ces balles. Cartouche incendiaire. Munitions de pistolet de chasse. On peut les faire soi-même. Ouais, munitions de pistolet de chasse supplémentaire, cartouche incendiaire supplémentaire. Cartouche incendiaire, c'est carrément un truc de... Ouais. Je préfère ça que les flèches explosent, tu vois. Ça, c'est intéressant. Mais bon, il faut que je finisse... J'avais commencé quoi, déjà? J'avais rien commencé, en fait. J'étais... Ouais. Vas-y, j'ai trop de trucs à améliorer. J'ai trop de trucs à améliorer, je suis pauvre, j'ai vraiment trop de trucs à faire avec Abby là, ça va pas. Pourtant je rate rien, hein. Je prends tout ce que je peux, je fais comme avec Ellie. Non, j'ai pas de lance-flamme, Yoloz. Ouais, les cartouches incendiaires, grave. Franchement, ça fait plaisir. Ça peut être très utile sur les mastocs, les infectés mastocs. Vas-y, en plus je me trimballe des enfants, ça va pas ça. Fais voir ma vie là. Ah, je suis déjà à fond. Vas-y, il y a trop d'objets que je peux pas prendre, j'ai pas assez de place dans mon sac. Merci pour le cheer, je viens de voir. Merci. C'est gentil de ta part. Ça fait plaisir. Tac. Ok, c'est bon. Il y a des pièces ici, j'aurais peut-être dû... Ouais, non, de toute façon, je reste. Même en récupérant ça, je suis pauvre encore. Toi, tu vas pas bien, toi. Il y a encore des balles, j'en ai trop. Ça sert à rien. Ouais. Allez, on se tire. On arrive bientôt sur la côte.
Encore un peu. Ok, je le sens mal, ça. Vas-y, j'ai des bombes au cas où. Putain. Des démons, bordel. T'as pas un autre truc à ramasser là vite fait? Merci Nem pour le tir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. J'ai vu, t'inquiète, j'ai vu. Des démons. De toute façon, les bombes c'est trop facile à fabriquer, je peux me faire plaisir. Putain, c'est triste, on voit vraiment rien. Ah, merci pour les 500 bits, Nem. Et ouais, du coup, c'est quoi? Des cadeaux à 10 personnes dans le chat. T'as offert 10, des cadeaux à 10 personnes dans le chat. Merci. Remerciez Nem. Hein. Remerciez-la dans le chat. Merci à elle. Merci pour moi et pour tout le monde. La générosité. Ah d'accord, c'est un zombie. 1, 2, 3. On est obligé de descendre, cousin. Je crois qu'il... Ouais, on est obligé de descendre. Faire du bruit en descendant, je crois. Eh, vas-y, calmez-vous, s'il vous plaît. Merci Jaja. Pour le tir encore une fois. Ils sont en train de se ruiner sur le live là. Viens là toi. Ah, il l'a tué. Bien joué. Sûr. T'es pas obligé de nous suivre. Tu veux que je vous abandonne tous les deux ici? Et si? Sortons d'ici, c'est tout. Bah dis donc. Ils sont plus utiles, les gamins. Les gamins sont plus utiles que Jesse ou Gina ou ce que tu veux. Ou Manny.
il y a beaucoup de trucs à prendre. Eh vas-y, c'est vous les enfants, c'est on vous suit hein. C'est pas c'est vous qui nous avez foutu là, sortez-nous de là maintenant. Je vous fais passer et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Oh, je le sens pas ça. À ton tour. Attention. Oh non. Oh là là. Ils sont barrés là, non? Petite ordure, va. Ils sont où? Et dire que je faisais confiance à Beskar. Beskar. Ça, le mioche. Comment je fais? Je vais encore mourir. Oh shit. C'est pas cool ça. Oh non, c'est une blague. Oh, c'est une blague. Cette farce. J'ai besoin d'une minute. Accroche-toi bien, moi. Ok. Putain, ils m'ont pas laissé tomber. Je presse mon rêve pour la merci, les petits. J'étais en pression. Mon bras. Je sais. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Doucement. Inspire. Expire. Fatigué. Laissez les portes. J'arrive plus à marcher. Il n'y a pas d'infecté. Ça s'ouvre pas. Et c'est les autres. Alors ? Non. Celle-là, je la sens bien. Ici. Allez, entrons avant de se faire repérer. La porte. Il
enlever ça. Oh, il est éclaté. Je vais juste le remettre en place. Ok. Tu sais comment t'y prendre ? Le remettre en place, mais il est en morceaux. Découpe ça en bandes. Allonge-toi. Je vais bouger ton bras, ok ? Merci. T'es prête ? Comment tu t'appelles ? Abby. Merci de m'avoir libérée. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état. Mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a pensé à la même. Vous allez crever, ouais. Les wolves, ils vont vous finir. Maintenant... Ok, Owen il se situe à la roue là-bas là. Donc à l'aquarium. Donc c'est parti. On continue le chemin pour retrouver notre amoureux là. L'aquarium est juste là. Notre beau gosse qui séduit des phoques. C'est parti. Je m'en contenterai. Oh ouais, attends, je peux me faire de la vie là parce que t'es. Non, on va laisser comme ça. On trouvera peut-être des sneakers sur la route. Je peux me faire des bombes. Yes. Let's go. Branche ça. Ça va pas être là. Ah, ok. Comment j'aime pas la nuit. Voilà, il y a des sneakers, tu vois, je l'avais dit. Tac. Oh ouais, ça y est. Let's go. Ok, je suis plus pauvre. Les dégâts, franchement, lui, c'est bon. Je vais pas améliorer la stabilité ni la vitesse de recharge. On est bien, je trouve, là. Lui, en fait, je pense que... Si t'améliores les dégâts, il one-shot dans la tête. Et en plus, si tu apprends à fabriquer les munitions, je pense que tu peux être vraiment bien. Rafale, truc. Capacité du magasin. Une lunette. On peut mettre la lunette sur le pistolet. Vas-y, on va améliorer les magasins de ça.
de retour dans la pauvreté. Je vais voir maintenant. Ouais. Je tiendrai un peu plus longtemps. Voilà. Cool. Pour changer d'arme plus rapidement. Yes. Bon, du coup. Opération secrète. Confection de surin, tout ça. C'est vrai, j'ai pas de surin. Confection de surin. Je devrais peut-être prendre juste ça quand même. Allez, vas-y. Voilà, je peux en faire. Combat rapproché. J'hésite entre arme à feu et combat rapproché, je vais pas te mentir. Comme j'utilise moins les munitions, je vais prendre combat rapproché. Allez. Ok, je peux fabriquer des surins. Tac. C'est quoi? On va en faire deux de plus. Voilà. On pourra ouvrir des portes. Et égorger aussi. Je pense. Salut BR. Ça se passe. Oh, petite merde. Je vous ai vu. Petite merde. Je t'ai vu courir. Là. Comme du n'importe quoi. Ok, on est dans la map Shipment actuellement de code. Ce qui est bien, c'est que c'est assez dégagé. Donc on voit quand même pas mal. Et c'est pas sombre. Il y a le clair de lune, donc ça c'est cool. Ah, j'ai pas de truc à lui jeter dans la gueule. Ah, mais je vais pouvoir l'égorger au surin. Je pense. Enfin, je sais pas. On va voir. Oh oui, 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 on peut. Yes, une bouteille. Il me régale. Oh putain. Oh merde. D'accord. Yo ice, yo quoi. Ah.
de chiottes. Putain, ils sont discrets, hein. Je les vois jamais arriver. C'est fini. Bon. Ok. Je peux plus suivre le soleil. Mais au moins, j'ai toujours la grande roue. On est pas loin, on est vraiment pas loin là. Ouais. Merci, monsieur. Bon, ici, ça devrait être tout droit. Ouais. On va faire le con. C'était ça, c'était sûr. C'était juste sûr, c'était trop facile sinon. Bravo, super. Trop lourde la vie. Elle doit peser 100 kilos, je pense. Ah, j'ai loupé Dams, je crois. Salut à lui, hein, il vient de repartir, il est en live, c'est ça? Ok, qu'est-ce qu'on fait, on nage? Ouais, on nage ou pas, parce que je voudrais pas faire le compte. Ouais, si je pense. Allez. Allez. Merde, un bateau. Ça, je le sens mal aussi. Un bateau de voyage, genre avec des... Tu sais, je pense qu'il y aura des merdes dedans. Vas-y, faut que je teste le pistolet aussi. Je l'ai pas encore testé. Oh, des flèches. RIP.
attends, par où on va? Ah. Salut Lucas, ça va et toi? Yes, Daryl. Ça y est. Malgré la saison 10 de The Walking Dead qui est vraiment pas terrible, Daryl il a toujours autant de style. Donc pour ça, on apprécie quand même. Vas-y, faut. Bah on va s'entraîner. On va voir à quelle distance ça tire. En tout cas, il n'y a pas de stabilisation. Ah, si je peux retenir ma respiration. Cool, ça one shot. Est-ce que je peux récupérer les flèches? Je pense que c'est ça le plus important. Les carreaux plutôt. Yes. On peut. Les carreaux d'arbalète sont solides et peuvent être récupérés plus fréquemment qu'avec l'arc. Voilà. Parce qu'avec l'arc, merci. Hein. Je les récupérerai jamais. Yes. Franchement, ça va me servir parce que j'avais rien de discret avec Abby. Pas mal ce stand de tir. Le pont supérieur. Il y a un coffre quelque part. Il y a un coffre sur le pont supérieur. En effet, c'est blindé d'infectés. Ouais. Let's go au pont supérieur. Faut trouver ce coffre. Dépêche, pas tout ton temps. Je t'ai eu. Voilà, c'est pour ça. Merde. Attends. Ah non, j'ai pas d'arme en plus. Oh merde. Recule. Est-ce que ça one shot? Attends, j'ai un surin. Sneakers. C'est quoi ça? Claqueur. T'en vois que dalle. Je pense que c'est un claqueur. Et j'ai peur des bâtons abandonnés. Ouais, non, mais...
comprends. J'étais pas serein en y allant aussi. Je crois qu'elle sait que je suis là. Ah ah ah, ça one shot. Tu l'as pas volé celle-là, bon dieu. Ah, je peux pas récupérer le carreau. Il est cassé, ça y est. Faut que j'atteigne les marches. Le pont supérieur. Mais faut que je les tue tous avant, je peux pas en laisser vivant, c'est un risque. Manger le carreau. Il reste encore, mais... Le supérieur. Oh, ouais, d'accord. Ok. Tout ce putain de bateau est infesté. Quand on parlait de bateaux infestés, c'était gentil encore. Ok, je crois qu'il arrive. Viens là. Te retourne pas s'il te plaît. Ça me ferait tristement mal au cœur. Bon bah vas-y, arbalète hein, je pense. Ça a crash. Voilà, c'est ça quand on pense pas à recharger. J'avais pas rechargé, j'ai pas pu tirer. Perso, j'ai rien eu, moi j'ai pas crash, donc c'est Twitch. Moi, mon débit, tout ça, rien n'a bougé. Putain, c'est une armée, c'est pas possible. Allez, dis si ça marche ou pas. Ça marche.
Oh ouais, d'accord. La collatérale. Faut que je teste le pistolet, vas-y. Ah, y'a un gros sac. Ça one shot. Le pistolet, il est vraiment juste trop bien en fait. Vas-y, faut, c'est fini, faut que j'améliore sa puissance. Ouais, c'est bon, c'est fini. Faut trop que je l'améliore celui-là. Il l'a tué. Il l'a tué en deux balles. Bon, après, j'avais lancé une bombe, mais quand même. Il a one shot le claqueur alors qu'il était intact. Ah, il est là le capitaine. Il est pas en grande forme. Je sais ce qui s'est passé. Ouais, le pistolet c'est le même que dans GTA. À peu près quoi. Let's go. Ah d'accord, j'avais pas le droit d'aller là. Bon, je vais réessayer. Vas-y. Au calme, on a le temps. Ouais, le coffre a été ouvert, ouais. C'est bon. J'ai récupéré un guide de combat et quelques trucs. Elle est où la roue là? C'est dans quelle direction? Ah, mais c'est là. Il y a peut-être des trucs à prendre sur le pont. Le crash de tout à l'heure, ça a peut-être scindé en deux le live, je vais voir. Peut-être. Il y a des grandes chances même que ça a scindé en deux, voire trois le live. Fait chier ça. Je kiffe grimper, hein. L'aquarium il est là, on y est presque. En trois fois ça a été coupé. Bah, de toute façon j'irai voir après. Pour YouTube je le mettrai en un seul, mais bon pour Twitch ça restera comme ça du coup.
C'est trop calme. L'aquarium. Je sais que t'es là, Owen. Owen. Où es-tu, Owen? Ici. Et si quoi, gros? Je suis trompé, je pense. Yo, Quasar. Je suis obligé de faire pour toi. Ça se passe ou quoi? J'ai tout cassé. Ok. Bon, ton sac est ici. C'est du sang, ça? Owen! C'est bizarre, hein, ça ressemble pas trop à la planque dans les flashbacks. C'est carrément sinistre. Ah, il y a de la musique quand même. Attends, bouge pas. Bonsoir. Owen! Ouais, y a de la musique, mais c'est sinistre quand même. Putain, merde. J'aurais dû laisser la musique. ça mettait une ambiance. Parce que là. Il a fait un petit barbecue en tout cas.
Où est-ce qu'on va le trouver? Vas-y, on va monter dans sa chambre là, ce qu'il nous avait montré. Owen, t'es là? Owen, tu me saoules. Hein. Franchement. Hello. Évidemment. Ah, il est dans le bateau. Owen. C'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. En veux? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt. J'ai tué un paquet de Scar. Et... Ce mec-là, putain... Je pouvais pas. Évidemment, Danny s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre. Qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape, et... Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras décuvé. Pas ça. Faire quoi? Me traite pas comme un cinglé.
Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Quoi ? Non, rien. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Oui, comment je fais ça, Abby ? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille ? Les massacrer ? Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent le... Elle a plus de force que lui. Abby. Bon bah du coup pour Twitch, hein, vous savez très bien, je peux pas... On va pas trop s'amuser à montrer la suite. On va laisser jusqu'au maximum possible. Ouais bah voilà, je peux pas aller plus loin, hein, désolé. Ouais. Je suis en train de regarder actuellement. Ok, nickel. Oh, on retourne ici. Vas-y. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Bon, qui me prennent pas par surprise. Bon, normalement, je pense qu'ils vont rien montrer, tranquille. Bah, je peux vous dire que c'est des pecs qu'il y a là. Pour avoir vu, du coup, c'est vraiment des pecs, hein, ça rigole pas. Putain, gosse. Dommage que la scène n'a pas duré plus longtemps. Franchement, j'avais préparé un diaporama d'images pour vous. Vous en avez vu que deux. C'est dommage. J'ai travaillé pour rien. Faut que je les sorte de là et vite. Ah, c'était beau, je crois qu'il y avait 8 ou 9 images. Ne tombe pas. Ok. Bon là, en fait, elle a fait un cauchemar sur les gosses et on doit retourner sauver les gosses, c'est ça. C'est quoi ce... Oh, moi je sais qu'il est vivant. Putain, c'est encore un gros sac avec un marteau.
4. Regarde-moi ce monstre-là. Ah. Vite, la flèche, là, le carreau plutôt. Non! Triste vie. Là, il va voir son pote mort. Ce pistolet qui one shot, il fait tellement le taf. Qu'est-ce qu'on l'aime. Merde. Par contre, les scars, ils se dopent, hein. C'est pas possible. Yes, le carreau. J'ai cru ne jamais te revoir, mon ami. Bon, le truc bien, c'est qu'on connaît le chemin, quoi. On a déjà passé ici. Ah, on peut rouvrir. Je pense qu'il y aura rien.
Ouais. T'as ça, mais je suis toujours pauvre. J'espère qu'ils sont encore là. Petit, vous êtes encore là? Putain, ils sont bien démerdés. Hein. Faites pas un pas de plus! C'est moi! Désolée. Je dois bouger ton bras. Appuie-toi sur moi. Où est-ce que tu l'emmènes? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. Son bras, c'est une bouteille de ketchup. Elle a mis un camouflage Call of Duty sur son bras. J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, non. Baisse ton arc, c'est bon. Baisse ton arc. Tais-toi. Baisse ton arc. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Alice. Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Elle s'appelle Yara. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Ketchup? Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Ouais. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupe et on cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste, j'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous! C'est pas le problème, Abby, elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. T'es malin. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les SCAR utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois. C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger?
Mais non, arrêtez de dire ça, c'est bon. Ça sert plus à rien. Abby. Yo Venom, bien ou quoi? Hé. Quoi? Attends. T'as piqué mes clés? Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Allez hop, cœur brisé. Laquelle? Ça dégage. Pas de conneries, ok. Ramasse ton cœur, il est par terre en miettes, gros. De toute façon, tu vas crever. Je vais te crever avec Ellie. Vous allez tous crever, de toute façon. On n'oublie pas notre petite Ellie. Tes amis sont des wolves aussi. Ouais. On a de la chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel. Comment il s'appelle, lui? Owen. Mais... Owen... Abby. Comment on fait pour atteindre les grands immeubles? La passerelle est là-bas. Le chemin, là, conduit vers le centre-ville. La route, elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prendrai le relais. Ces passerelles permettent vraiment de franchir les rapides? Ouais. Tous les rapides? Ouais, ouais. En quelques heures seulement. Je mens pas. Et ouais. Ils ont des passages secrets. Qu'est-ce que tu crois? C'est un petit malin, les Scars. C'est le Wolf. Le voilà. C'est l'immeuble où on doit aller. Ok, je le vois. Que passera si on récupère pas le matériel pour ton ami? Eh ben... Il faudra qu'elle essaie de l'opérer avec Scowen à sous la main. Ce serait pas l'idéal. Je pense qu'on va s'en sortir. Si on récupère le matos, prends. Elle a de bonnes chances. Ouais, ça va bien Venom, au fait, merci. Et ouais, il a de la durée. Bon, en même temps, je fais 2 heures par jour, tu vois. Y'a des mecs qui font 10 heures par jour, donc il y a de la durée. Il y a moins de durée pour eux, tu vois. Moi, avec mes 2 heures par jour, il y aura une vingtaine d'épisodes, hein, minimum. Tu savais que mon chien savait jouer aux cartes aussi? J'ai 13 ans, pas 8. T'as la taille d'un gamin de 8 ans. Et les gens te trouvent drôle d'habitude? Non. Ça commence déjà à se lancer des petites piques là. C'est quand trop de pression s'accumule dans les muscles, on s'en sort plus de la pression. Un genre de pause. Merci. J'ai grandi en tout bonne médecin. Comme elle. Essayons de voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur ces passerelles, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scars? Seraphite. J'en sais rien.
on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Attends, décale-toi, s'il te plaît. Hang. Je crois que c'est Hang. Pour ceux qui ont vu le film. Ah, vas-y, personne va connaître la référence, c'est trop vieux, je crois. Je l'ai vu une seule fois quand j'étais petit, le film Avatar. Le film Avatar, ok. Lui, on dirait Hang. Le maître de l'air, là. Ouais, mais non, mais de toute façon, c'est nul. C'est nul comme film, hein, je te le dis. Grave nul. Avec une flèche sur le crâne. Exactement, Jaja. Toi, tu l'as vu ou pas? C'est exactement ça. C'est celui avec une flèche sur le crâne, le maître de l'air. On dirait trop lui. Ok, lui, il était prêt à tout. Fais gaffe au bout de verre. Vas-y, le marteau, on va pas l'améliorer, c'est naze, je trouve. Allez, ah, t'as été voir sur Google, t'as vu, ça ressemble quand même, hein. Oh, j'étais pas. Merde. J'étais pas serein sans ça. Là. Tu vas bien? Ça va. C'est sûr? Je te dis que ça va. Bon, on approche de ton immeuble. Et genre, son immeuble, il y a un chemin rapide pour aller. À l'hôpital des Wolves. Tu vas me dire qu'il a mis une tyrolienne tout en haut et qu'il se balade dans les airs en fait. C'est vraiment les maîtres. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est vachement beau. C'est vraiment le maître de l'air. Il est vraiment fort. Va falloir qu'on fasse quelques détours. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui? 2 jours. Et vous comptiez aller où? Je sais pas. On voulait juste partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Non, il a pas de pouvoir celui-là. Ce Hang. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai désobéi. Eh ben, pourquoi tu l'as fait alors? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Ah, j'imagine, ouais. Il y aura un coffre. Ok, ça, il faut retenir ce papier-là. Ça survivait entre voisins dans cet immeuble. Ça tapait des petits barbecues sur le toit et tout. Sauf qu'ils se sont fait sniper par des scars pendant le barbecue. Ah bah le coffre il est là. Le numéro d'appartement. Est-ce qu'il est affiché ici? Je pense pas.
Je suis directement sur la porte, on peut sortir. Donc 302, 301. Faut que je vérifie le code. Peut-être l'inverse. Ou alors c'est pas les bons appartements. Je vais vite faire celui-là. Appartements. Merde, c'était quoi déjà? Tac, c'est celui. Lui, il est sûr. 302. Voisine, ok. Voisine. Ça doit être eux. Donc 302, 304. J'ai réussi. Trop de balles. Franchement, les pauvres, ils étaient. Tu vois, regarde. Le monde va mal. Ils étaient tranquilles en train de survivre à cette apocalypse entre voisins, au calme. Et des mecs les ont abattus pendant qu'ils cuisinaient sur le toit. C'est tellement bête que c'est marrant. Yes, je prends. Peut-être l'améliorer. Viens, Hank. Et en plus, c'était écrit dessus. Je rigole si c'est vraiment une tyrolienne, t'sais. Non, impossible. Là, vraiment, ce serait abusé.
Donc il faisait des barbecues ici. Là t'as le barbecue, ils se sont fait éclater comme ça là. Ok. Je pense qu'on peut éviter de se battre avec eux. Ah bon, en fait non. C'est par là qu'on doit passer. Pas du tout. En plus, je dois péter une vitre. Ah bah ouais. Nickel, on est bien là. Ok, je peux peut-être grimper sans péter une vitre. Je sais pas. Va falloir faire des tests. Non. Attends, ça va être chaud. Oh my god. Oh s'il vous plaît. Ah, là il venait là, j'étais mort. Ouais, là tu vois, je préfère sauter dans l'eau même. Je pense que j'aurais fait ça. Ah, le même du cercueil là. Ok, j'ai une arbalète, il faut vraiment en profiter de ça. Attends, me gêne pas s'il te plaît. Dégage. Non. Je dirais qu'il y a un mastoc, non? J'entends le bruit d'un mastoc, mais je suis pas sûr.
Va plus loin. J'ai pas pu récupérer mon carreau, va plus loin. Merci. Carreau, s'il te plaît. Non. Tristesse. Bah, je crois que c'est le dernier, hein. Il y aura pas de gros. Ah si, si. C'est bien lui. C'est bien lui. D'accord. Donc j'ai pas de bombe. Attends. Si, j'en ai. J'en ai deux. Et j'ai mon fusil. Ah non, j'ai mon pistolet en plus. Allez, go. On va utiliser le pistolet. Je trouve qu'il est bien frais le pistolet. Tu vas bien? Ouais. Et voilà le travail. On n'est pas mort, yes. Tu l'exprimes bien, Séraphine? Pourquoi? Comme ça. Je sais pas. Tu sais, je me suis dit, on est déjà assez mort comme ça au début de live. On va pas non plus forcer les choses. Avec son caca aux fesses. Ouais, attends. Attendez, bouge pas. Bouge, envole-toi là. Voilà, pour ceux qui voulaient voir, à côté des tomates, vous avez du caca aux fesses. Voilà. Bon appétit. T'as vu, hein? C'est grand. Bah, c'est bien pensé, il se chie dessus le truc. Bon bah y'a rien d'autre à prendre. Hein. Vas-y, on va reprendre la route et puis. En fait je crois qu'on pouvait. T'as vu ou pas? Je crois qu'on pouvait rush. À mon avis on pouvait rush sans se battre. Regarde, et tu fuis comme ça, il pouvait pas te suivre. Mais bon, on aime trop se battre ici. Parcours du combattant. Le courant est super fort par ici. Faut vraiment que tu fasses gaffe, d'accord? Ok. Ninja Warrior. Flippé lui. Wow, qu'est-ce que tu fais? Elle saute en même temps. Ok, on va améliorer ses armes. Peut-être que j'ai assez de trucs pour améliorer un petit truc vite fait. On va fouiller avant. Ah, il est mort récemment lui. Je sais pas. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars? Arrête de nous appeler les Scars. Ouais. Des séraphites, on dit, bordel, Abby. Retiens tes leçons un peu.
Il n'y a plus qu'un enfant parce que l'autre, on est parti chercher des soins pour... Elle va mourir en fait. Du coup, on doit chercher des trucs pour l'amputer. C'est actuellement la mission là. Attention, on prend le parcours. T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais, cet immeuble va nous conduire à celui-là. Franchement, mec, tes chemins, ils sont... Voilà, quoi. J'ai pas l'impression que... J'ai l'impression qu'il y va au hasard. En fait, j'étais trop pauvre pour améliorer les armes, donc laisse tomber. Prochain, on pourra améliorer mieux que ça, comme ça. Merde. Allez, vas-y, j'en ai trop. T'en ferme. Attends, mec, on pouvait aller en bas, là. Attends, bouge pas. Je me suis dit, on va devoir tuer des chats aussi. Ils étaient bizarres, les gens d'avant. Boozman, Boozman dans Days Gone. Ce gros tas mal tatoué, ils ont dit. Il n'y a aucun respect. De fouiller tout ce bâtiment, on enchaîne et au prochain point de passage j'arrête, je coupe là. Parce que sinon tout ce que j'aurais fouillé ça aurait servi à rien. Tu te fous de moi? Quoi? Je suis incapable de faire ça moi. Tu peux faire le tour si tu préfères. Ouais, je préfère. Toi, t'as un fou, toi, quoi? Là, c'est vraiment... Non, mais... Tu sais, c'est bête, hein, mais c'est vraiment Aang, du coup. Parce que dans le film, Aang, il s'est volé... Aller partout, tu vois, il est agile. J'avais un cousin qui avait... Tant mieux pour lui. Longtemps. Ça veut dire oui. Oui.
Vas-y, fais voir. Primeur. C'est pas si dur que ça. Ouais, ouais. Comment on a pu rater ça? C'est de ouf. Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous... Non, ils ont fabriqué un château fort. Tu devrais peut-être arrêter de dire « on ». Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. Pas ça. Combien? 1, 2, 3. Ça marche. J'aurais dû rester où t'étais, Lily. Putain, il fait le voyou, lui. Comment il fait le voyou? Jouer. Bravo, gamin. Tu vas bien? Ouais. Hey yo, t'es pas un fond, bou. Je vais t'aider. C'est bon. Je vais te chercher un coca. T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Ok. Vous avez entendu? Ouais, c'est ça. Vous avez entendu comment les mecs ils l'ont appelé là? Vas-y, on va voir qui a suivi, qui a écouté. Comment ils ont appelé Lev, le mec qui est avec moi là, le petit. Bravo! Ils ont suivi. Bravo. C'est une fille, en fait. C'est une petite fille. En fait, c'était deux sœurs. Enfin, deux filles, quoi. Je sais pas si son frère et sœur. Enfin, sœur et sœur, du coup. Vas-y, je vais m'arrêter là. Le poil macho. Le truc que j'ai dit, là, avant, là, c'était H. Je vais te chercher un coca. Hey yo, t'es pas un fond bon. Yo, la cité. Bon, allez, je m'arrête là, c'est bon. Je vais arrêter de loot avant que ça sauvegarde pas encore. 21h58, ouais. Alors, attends, par contre, j'espère que quand je vais reprendre, je vais pas me rebattre contre eux. Hein, parce que ça a sauvegardé une minute après. Non, je pense que c'est bon. Vas-y, attends, on va avancer un peu pour que ça sauvegarde ce que je viens de prendre aussi là. J'ai pas envie de tout refouiller. Juste avancer un tout petit peu. Il y a encore une échelle. Vas-y, on va monter. On va monter, je pense que ça va sauvegarder en montant. Waouh. Waouh. Carrément incroyable. T'es où? C'est les Scars qui ont construit ça? Les Séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool.
Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes, et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits? Attends. C'est bon ou pas? Ça a sauvegardé, c'est bon. Et au moins. Tiens, quelques-uns. Non! Ça prendrait beaucoup de choses. C'est ça. Voilà ce que j'en fais dans ton truc là. Voilà. Alors avant que ça sauvegarde et que j'ai plus de balles, je vais vous dire bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi le live sur Twitch comme d'habitude. Merci à ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. Je vais essayer de la faire une seule fois, mais c'est pas dit. C'est possible que je puisse pas. Et du coup, merci à tous. Je vous dis à demain 20h pour la suite avec Abby et Aang de Avatar. Merci encore. Et à demain. Salut.